Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il nous reste des chutes de papier décor sur le thème de Noël. Et ces chutes, je les conserve pour pouvoir les réutiliser. Comme vous savez, je n'ai pas gâché le papier. Donc, j'ai des chutes plus ou moins grosses. Donc ça, ce sont des chutes, un reste de chute, pas de cette année, c'est de l'année dernière. Donc dans les plus grosses chutes, je vais découper, j'en ai encore une là parce que j'en ai déjà fait, je vais découper des carrés de 4,5 sur 4,5 qui me permettront donc de faire des calendriers de l'Avent puisque les boîtes font 5 sur 5. Donc dans les grosses chutes où je peux faire des carrés de 4,5 sur 4,5, eh bien écoutez, je fais mes petits carrés. Et ces petits carrés, ben je les classe par couleur et l'année prochaine je pourrai les utiliser. Donc je peux mélanger mes papiers décor en restant dans les mêmes tons. Et au moins on ne gâche pas de papier. Voilà, j'ai. Alors, j'en avais déjà découpé. Donc, j'ai découpé mes carrés de 4,5 par 4,5. Je prends un élastique. Voilà, je vais carrer. Donc, là, j'en ai fait avec d'autres papiers décor. Donc, j'ai mes petits tas de carrés. Et je vais les mettre donc dans une boîte. En les classant. Comme ça, je pourrai l'année prochaine les réutiliser pour mes calendriers de l'Avent. Avec les plus petites chutes. Alors, je vais les mettre de côté. Avec les plus petites chutes, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai coupé mes carrés, avec les plus petites chutes, je fais des fonds de cartes. Alors j'ai une chute de papier noir et je vais venir faire donc un fond de carte. Donc je prends mes bandes et je les colle un petit peu comme j'en ai envie, tout droit, en biais. Et je fais des fonds de cartes. Alors je vais en faire une devant vous. Donc c'est vraiment au gré de mes idées. Donc je choisis mes papiers. Alors bien sûr je reste dans les mêmes tons. J'utilise des bandes de tailles différentes et je compose mon fond de carte. Je colle, je continue à coller. Thank you.
fond de carte. Alors, je laisse un petit peu sécher. Je vais laisser sécher. Et je découperai donc le surplus. Une fois que ça sera sec. Alors, j'en ai fait déjà quelques-uns. Voilà, j'en ai fait un là. Il est sec. Donc, je vais enlever le surplus. Alors, s'il y a encore des grands morceaux, bien sûr, je récupère. Les toutes petites chutes, eh ben, passeront à la poubelle. Mais au moins, je diminue mes chutes de papier. Voilà, il ne faut pas oublier que pour faire du papier, on coupe les arbres. Donc, pour diminuer, voilà, j'essaye d'économiser le papier. Donc, vous voyez, les chutes de ma carte, hop, poubelle. Alors, je vais peut-être allumer. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Et voici un fond de carte. Eh bien, on va faire la carte entièrement. Comme ça. Donc, je vais prendre du papier. Je vais prendre un papier blanc ou un papier noir. Non, je vais prendre un papier blanc. Donc, je vais couper donc à 15. À la hauteur de ma carte et je vais la faire à 21. Je vais faire un pli à 10,5. Base de carte, je plie en deux, alors j'enlève un petit peu mes petites peluches. Faire au massicot parce que j'ai toujours mon problème avec ce nouveau massicot de chez Action qui ne fonctionne pas bien. J'aime bien que ce soit net. Voilà. Donc, je vais prendre mon fond de carte. Alors, je vais regarder. Je vais le recouper un petit peu en hauteur. Alors, je vais reprendre. Donc,
que j'ai 15, donc je veux 15, ici j'ai 10,5 et ici j'ai 9,5. Donc on va laisser un rebord. Donc, ou alors, ouais, non, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un morceau de papier noir. Alors, je vais prendre le noir. Je vais la coller dessus pour faire un matage. Voilà, je compose vraiment à mon idée. Donc, j'ai dit, ceci, elle fait 9,5. Donc, je vais faire à 10. Et là, je dis... donc... Là, j'ai dit... j'avais 15, donc je vais couper à 14,5. Donc 14,5 et celle-ci, je vais la couper à 14. Alors ça aussi, et eh ben je le garde, ça peut me servir pour faire une autre carte. Donc je vais venir centrer mon fond de carte. Je vais venir ensuite le centrer sur ma base de carte. Donc je colle. Je centre. Hop. Elle m'échappe. Je vais venir donc la coller sur ma base de carte en centrant. Voilà ce que ça vous donne. Et je vais y mettre donc un sentiment. Voilà, vous faites vraiment, vous suivez votre instinct. Donc, je vais trouver, comme c'est du papier de Noël, alors là, j'ai un joyeux Noël ou meilleur vœu. Je regarde dans mes tampons. Un petit cercle dans du noir. Alors, un plus grand
fond de blanc, je vais aussi mater. Au contraire, non, je vais faire le grand dans le blanc. Donc je prends un petit morceau de papier blanc. Je vais couper un mauvais shot. Je vais prendre un petit bout de noir. Et je vais venir tamponner mon joyeux Noël avec de la Versamark. Et je prendrai de la poudre à embosser blanche pour faire mon joyeux Noël. Donc je prends mon petit cercle. Je vais prendre un plexi. Je prends ma Versamark. Et de la poudre blanche. Je vais déjà, avec mon petit chiffon où j'ai mis du talc, enlever l'électricité statique. Je mets mon joyeux Noël sur mon plexi. Je dépose ma Versamark. Alors, je vais le centrer dans mon petit cercle. Je vais m'y prendre une feuille de brouillon. Je saupoudre mon tamponnage. Donc ça vous donne ceci. Et je vais venir chauffer. Alors je remets et je chauffe. Donc je vais vous épargner le bruit. J'ai toujours ça fait un peu foncé, je ne vois pas grand chose. Je vais venir centrer mon petit cercle pour faire mon matage. Comme ceci. Je vais venir mettre mettre en 3D. Alors j'ai perdu aussi. Ah non, ils sont là. Je vous avoue que
sur mon bureau. C'est un peu le bazar. Donc, je mets des petits carrés de mousse. J'enlève les opercules. Alors, je vais coller mon sentiment. Ici. Alors, pour décorer, j'aimerais bien mettre une étoile. Une étoile. Faire des petites étoiles dans ce set. Je vais prendre les deux étoiles et je vais en faire quelques-unes pour les poser par-ci par-là. Après, vous faites vraiment comme vous en avez envie, comme ça vous passe par la tête. Donc, je vais prendre du papier brillant. Allez, je vais couper la bande. Hop. Et donc, je vais venir faire mes découpes. J'ai fait tomber quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bon, je regarderai après. Voilà, je vais découper ça à la Big Shot. Voilà, j'ai découpé donc mes petites étoiles. Que je vais venir donc simplement mettre par-ci par-là. Hop. Je mets mes dies de côté pour pouvoir les ranger et allez, on va commencer par celle-ci. Alors c'est pareil,
quand j'ai des chutes de ruban, eh bien écoutez, je fais des petits nœuds, comme ça j'ai toujours des petits nœuds d'avance. Je vais raccourcir un petit peu. Et notre carte est terminée. Bien écoutez, j'espère que cette astuce vous donnera des idées. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.